Match en retard de la deuxième journée entre Lorient 6e et Lyon 4e, 3 points devant. Les Merlus ont cumulé 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. À Lens, les Guns sont invaincus avec le bilan de 4 succès et 1 nul. Les 4 victoires ont été acquises à domicile et ainsi les hommes de Peter Bosch sont donc au révélateur avec ce déplacement en Bretagne qui va mal commencer puisque dès la 6e minute, c'est Enzo Lefebvre qui enroule parfaitement ce coup franc hors de portée d'Anthony Lopez. Ça fait 1-0 pour Lorient qui joue une belle partition, empêche les Lyonnais de développer leur jeu. Les hommes de Régis Lebris qui repartent de derrière, le changement d'aile qui n'aboutira pas. La tête de Malo Gusto derrière s'agite très vite avec Tété et qui va décaler Alexandre Lacazette. Égalisation du capitaine lyonnais, un partout à la 28e minute. 133e but sous les couleurs lyonnaises pour Alexandre Lacazette, troisième buteur de l'histoire du club derrière Fleury Linalo et Bernard Lacombe. Long dégagement d'Yvon Mvogo. La mauvaise gestion de la profondeur de Thiago Mendes qui perd le ballon. La talonnade de Ouattara pour Terem Moffi. Petit ballon piqué. 2-1 pour les Merlus à la 33e minute. 5e but pour l'attaquant nigérian. Thiago Mendes qui avait été replacé en défense centrale depuis la fin de saison dernière par Peter Bosch a montré ses limites. 2-1 à la mi-temps pour Lorient. 3 changements effectués par Peter Bosch, entrée de Dembélé, Da Silva et Tolisso en lieu et place de Fèvre, Mendes et Le Penant. L'OL qui pouvait en cas de succès rejoindre le PSG et l'OM en tête du classement. Et ce sont bien les Lorientais qui sont mieux sans cette fin d'après-midi avec ce centre de Gédéon Kalulu pour Dango Ouattara. 3-1 à la 49e minute, la passe décisive du joueur formé à l'Olympique Lyonnais, Kalulu. Et deuxième but pour Dango Ouattara qui avait été l'unique buteur lors du succès des Merlus à Ajaccio le week-end dernier. 3-1 score final. Lorient séduisant s'impose face à un OL dépassé. Les Merlus remontent à la 5e place à hauteur de Lyon et capitalisent 13 points après 6 journées. Le meilleur départ du club dans l'élite. Dans quelques semaines, on en saura un petit peu plus sur la vraie valeur des Lyonnais avec Monaco, le PSG et Lens comme prochain adversaire.